Bonjour à tous et à toutes. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous expliquer c'est quoi les baladoxes. Les baladoxes, c'est une balade qu'on fait entre nous avec nos chiens, donc qui sont soit en liberté, soit attachés en fonction du caractère du chien. On peut faire soit 5, 7 ou 9 km. C'est un groupe qui a été créé le 23 janvier 2016, tout simplement parce que mon compagnon avait a acheté un Rottweiler à ce moment-là. Et je n'étais pas du tout fan de la race. Et nous avons voulu, après plusieurs mois du chien, vouloir créer une balade en fait avec des amis à nous. Et ces amis-là en fait sont venus et nous avons créé un événement sur Facebook et beaucoup de personnes sont venues ce jour-là. Donc on s'est retrouvés plus que 5 ou plus que 10, en fait plus que le nombre qu'on devait être. Et plusieurs personnes pendant la balade m'ont dit mais en fait vous avez un groupe Facebook où est-ce qu'on pourrait voir les photos, etc. Et j'ai dit ben non, on n'a pas de groupe de balade. Et c'est comme ça qu'en fait on a créé les Baladox. Donc en fait le chien est devenu notre mascotte, donc il s'appelait Zeus. Il nous a quitté il y a malheureusement bientôt 2 mois. À quoi ça sert les Baladox? Donc beaucoup de personnes pourraient se demander à quoi ça sert de se balader. En général, quand on veut promener son chien, on va le promener et puis c'est tout. Déjà, de un, il n'y a pas de but précis. Donc, il y a des personnes qui font ça pour des associations. Donc, il y a des balades qui se créent pour récolter des dons pour la SPA ou des choses comme ça. Maintenant, ça peut être créé à but tout simplement, juste pour le plaisir. Donc, ça, c'est notre but à nous pour le moment. Donc, on se retrouve ensemble. Et on lâche nos chiens et on passe un très bon moment. Et c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Comment ça se passe les Baladox? Alors tout simplement les Baladox, c'est une balade qu'on fait entre nous. Donc en fonction du chien, son caractère, s'il doit être muselé ou non, il le sera. Et en fonction de s'il s'est écouté au rappel, etc., il sera lâché ou non. Donc on a un groupe Facebook où tu peux le rejoindre si tu le souhaites. Pour venir te balader avec nous, il sera juste en barre d'infos en dessous de la vidéo. Pour la suite, donc le groupe Facebook, il y a 800 membres, mais on n'est jamais 800 en balade. Donc il y a plusieurs personnes qui rejoignent le groupe juste par titre informatif ou notre entourage qui sont intéressés mais qui ne viennent pas. Pour en fait le reste, donc au niveau des balades, donc on démarre sur une place attachée. Avec les chiens attachés et puis nous rejoignons les champs. Là, les chiens pourront être lâchés sur la responsabilité des maîtres et nous demandons juste à ce que les chiens respectent les champs. Bien souvent, les personnes sont assez aimables et nous n'avons jamais eu de problème pendant les balades. D'ailleurs, si les participants, vous me voyez, puisque vous allez sûrement voir cette vidéo pour voir la balade qu'on a fait il y a quelques jours, je vous embrasse car c'est grâce à des participants comme vous que notre groupe se crée et qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et merci à vous. Donc si jamais les participants vous me voyez, vous pouvez avancer plus loin dans la vidéo et vous verrez la balade qu'on a fait samedi passé. Mon compagnon et moi, nous gérons donc les balades. Pendant un an, nous avons géré ça tous les deux. Puis ensuite, nous avons recruté un participant donc, qui s'appelle Thierry, qui nous a rejoint en tant qu'organisateur, donc il est parmi nous bientôt depuis 2 ans. Et nous sommes très fiers de ce qu'il fait comme boulot au sein du groupe. Donc si Thierry, tu me regardes, je t'embrasse très très fort, tu es une personne est géniale. Et surtout ne change pas la personne que tu es. Tu nous aides énormément dans le groupe de balade et on ne t'échangerait pour rien au monde. D'ailleurs, pour expliquer un petit peu, donc Thierry est un participant qui est devenu organisateur avec nous. Il gère beaucoup le règlement du groupe. Il est beaucoup plus dans les règles, tout ce qui est législatif. Moi je suis plus dans tout ce qui est amusement, etc. Et mon compagnon il a un peu de tout, il n'a pas de but bien, enfin il n'est pas plus un ou plus l'autre. Ensuite nous avons recruté une autre personne qui s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe, si tu me vois, je t'embrasse aussi, qui est une personne super aussi. Donc en fait c'est un participant aussi de base qui participait énormément à nos balades. Nous avons décidé simplement de le reprendre parmi nous aux organisateurs car on avait besoin de personnes pour encadrer notre groupe. Enfin les groupes de balade, parce que parfois on n'est pas beaucoup mais parfois on est énorme. Et 3 personnes ce n'est pas assez. Donc une 4e personne était bienvenue et Jean-Philippe nous a rejoint.
Malheureusement, Jean-Philippe ne pourra plus être aussi présent physiquement à nos balades, mais il reste administrateur au sein de notre groupe pour gérer un peu tout les éducations positives au niveau des chiens. Tu retrouveras donc en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo mon Instagram où tu peux t'abonner et le partager. Je te laisse donc avec notre balade qu'on a créée samedi dernier et j'espère que cela vous plaira. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner juste en dessous de la vidéo et de liker cette vidéo. Et vous pouvez activer en même temps la petite cloche à côté du mot abonné. Comme ça, vous recevrez des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo sur ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. Yeah.